Eya lopeza kitoko na motuna onga na tuna kio ya dynamique o lele komi peza ko eseme ezala na kati ya Congo ezala na diaspora kongole alobi pona nini papa Honoré Nguanda te président ya Congo contenu ya mosala wa sali contenu ya ba qualité o ezali propre à lui qualité spirituelle morale intellectuelle son savoir-faire. Pourquoi pas pour soutenir Tata Oyo Azwa Makambo Oazali Kosala na échelle ya moke aya nango na échelle ya munene eroka maboka Congo. Kasi papa na biso role mena gai musala ngande kotuna mituna en attendant que bandeko tofungala bango nzela il faut tomber la cause ba éclaircissement. C'est vrai dynamique Oyo e botami na kati ya bana ekolo Congo. Oyo bazali kosenga akor atrique pourquoi pas papa na biso de Rengwanda azwa ses responsabilités akaba ekolo Congo. Kasi ebele ya bande komusu baza komituna si réellement lelo peuple congolais ala libanda ezala kati azali kosenga na papa na biso de Rengwanda comme président ekozala par canal nini par nzela nini papa na biso de Rengwanda akokoma président ya ekolo. Alors que yé moko na kati ya démarche na yé azali ko sa biso que mboka ezali occupé alors que bandeko bela ba yebi très bien que voix oyo bandeko ba reconnaître ka penza légitimité ya moko zina bango ezali nzela maponomi nzela nini papa na biso Rengwanda akome mama pa peuple congolais po atiama na kati ya ngwenye ya pouvoir alors que yé moko azali ko sa biso que lelo tout ce que pour la mboka la bisoté mboka Congo ezali occupé na kata dynamique oyo bande comme so bazana kata dynamique na ba passa ngonengeli ni papa role mena tepe chama. Oui papa Grégoire motuna wana pe effectivement na yo kango ba te bele pe batuna ngali kambwana ngana yanola na bango boye sans rentrer dans le secret des choses sans dévoiler certaines choses na yanola ki bango boye. Retournons un peu en arrière sans revenir au déluge. Tozonga, moko, un à un, voilà. Tozonga nano, na mutu oyo azo kamba biso lelo. Tozo ye nano, ye moko nano. Lelo a commis président de la République. Après avoir triché, on peut le dire comme ça, parce que tous les rapports sérieux sur cette situation, sur ce dossier, sont là. En 2012, en 2006, mais avant de tricher aux élections de 2012 et de 2006, lorsqu'il est arrivé au pouvoir pour la première fois, est-ce qu'il y est arrivé par les élections? Oui ou non? La réponse est non, puisqu'il y est arrivé après l'assassinat de son soi-disant père. Bon, Totsikaye, Tokende Sikoyo, Naye Moko, son soi-disant père. Oyonde Konabiso, feu président Laurent Désiré Kabila. Lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il y est arrivé par les élections, oui ou non? La réponse est non. Toza la moulaïté, totikaye, tozonga, na mutu azala kiwana liboso naye. Le feu président Mobutu. Puisque nous avons dit que nous allons être intellectuellement honnêtes et qu'il n'y aura pas de sujet tabou. Lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il y est arrivé par les élections, oui ou non? La réponse est claire. Alors arrêtons-nous là parce que nous avons dit, nous n'allons pas retourner jusqu'au déluge. Ceci pour dire quoi? Tout simplement que nous avons fait un constat, c'est qu'au Congo, tous les présidents qui sont arrivés au pouvoir, tous les hommes qui sont arrivés au pouvoir, ils sont arrivés par les voies, par la voie des armes, par la voie de la violence. Ils sont arrivés en posant des actes criminels. Disons-le clairement, soyons honnêtes. Pour ceux qui sont honnêtes entre bisotés, alors que vous avez Congo, Yamala Mouté, Lobby. Alors nous, ce que nous disons, écoutons le discours d'un homme. Cet homme, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Il est en train de nous dire que nous sommes en état de légitime défense parce que notre pays est occupé et parce que aujourd'hui nous sommes sous le règne de l'usurpation. Alors, Mutuana, à quoi l'on voit une élection?
ou bien à Kolongwa, naba arme. Pour nous, nous nous disons une chose. Biso va tout toujours soutenir Dynamique Wana. La légitime défense, c'est un... je ne suis pas juriste, mais bande kona biso ba Congolais, ba juriste au bazo, yo ka biso na moment oyo, na kanisi, ba ko comprendre le kambo na zoloba, et puis même ba ko compléter yango. La légitime défense ezali état oyo ezo permettre yo au se défendre de façon proportionnelle à l'attaque oyo yo ozo subir. Eli kolobanin papa Grégoire. Tozo kaka exemple moko pam. Imaginez aux ana kati ndaku na yo, au vandi na moitié na yo, na bana na yo en famille. Et puis mutu moko akoti na kati ya lopango na yo, azana mbeli na asimbi mbeli na maboko. Azoya sikoyo po, excusez nga familiarité wana, achuba yombeli. Légitime défense ezali wana, eli elobinin. Elobina yo papa Grégoire que yondengo zawana, oza pe na droit au neutralisé ye, ozo ambeli, o chuba yombeli, avant ye achuba yombeli. C'est-à-dire que oza na droit au bomaye, puisque ye a manifesté intention yako bomayo, yo oza na droit au se défendre, au bomaye, yamboye a bomayo. C'est ça la légitime défense. C'est le fait d'utiliser un moyen de défense que tu n'utiliserais pas dans d'autres cas si ta vie n'était pas en danger. C'est ça la légitime défense. Alors, tala makamuzo salema lelo na Congo, papa Grégoire, bande konabiso nde bazo langabiso na moment oyo. Tala makamuzo salema na Congo. Est-ce que nous sommes en état de légitime défense, oui ou non? Tant bazo violé ba maman na biso, bana na biso. Tant bazo utilisé Bachar contre le peuple congolais qui va voter pacifiquement et qui n'est pas armé. Lorsque l'on piège nos soldats et qu'on les emmène à l'abattoir en les livrant à l'ennemi. Lorsque on commet des actes barbares contre des pans entiers de la population pour déplacer ces populations-là afin que d'autres personnes viennent s'installer à leur place. Est-ce que Makambwana ezope sabiso droit yako se défendre, yako utiliser légitime défense, c'est-à-dire, est-ce que nous avons le droit d'utiliser les mêmes procédés que ceux qui veulent notre mort, que ceux qui veulent la mort du Congo et que ceux qui veulent la mort du peuple congolais? Les textes internationaux, yango na sengi na ba juriste na biso bazo kabiso na moment oyo, ba corrigera, les textes internationaux nous disent que oui, et l'histoire même nous dit que oui. Regardons le cas de la France, le pays dans lequel nous nous sommes ici, qui a vécu cet exemple-là aussi au moment de la résistance. Vous voyez, histoire, wana. Alors, pourquoi pas, Congolais, pourquoi est-ce que les Congolais n'ont pas le droit de se défendre? Alors, biso soko landi lisusu, discours, y'a papa Honoré Mbanda. Na maturité politique na ye alobini. Alobi, nous ne sommes pas pour utiliser les méthodes extrêmes. Rappelez-vous, moi j'ai revu un DVD de papa Honoré Mbanda à Lobaboyi. Les machettes ont été utilisées à Kigali par les Rwandais contre les Rwandais. Les machettes ont été utilisées par des forces obscures contre le peuple congolais. Nous allons épuiser toutes les voies légales à notre disposition. Nous allons alerter la communauté internationale sur ce qui se passe chez nous. Nous allons demander à cette communauté internationale de cesser de s'en prendre comme ça au peuple congolais parce que ce peuple congolais, une fois qu'il sera acculé, à ce moment-là, il utilisera la légitime défense et le peuple congolais est comme un éléphant, je me rappelle, c'est Papa Mbanda qui l'a dit, le peuple congolais, moi je connais très bien ce peuple, il est comme un éléphant. Azwaka tanaye face au danger. Mais une fois qu'il a pris conscience du danger, à ce moment-là, il charge et plus rien ne peut le retenir. Moi, je ne veux pas que le peuple congolais charge. Alors, je fais un travail, j'épuise d'abord toutes les voies légales à ma disposition et à la disposition du peuple congolais. Voilà le travail qu'il est en train de faire. Et dans ce travail, qu'est-ce qu'il dit? Peuple congolais, boya, mutuna mutu, ayana liboke naye. Mutuna mutu ayana liboke naye. Nazo al sous exemple wana pour terminer papa Grégoire pour nazo ngiselo maloba nazo na pas trop long. To vanda kina bandeko lobi.
na tuna kinde komoko awa nanda prepananga na tuna kinde komoko toza osa la débat toujours na cadre ya dynamique mbanda président. Un jeune frère, il a quoi? Il doit avoir 18 ans. A Tuningai. Viens maintenant. Est-ce que le fait, il y a ndenge tozo loba, ndenge tozo ka, ndenge na zoka, batu bazo loba, mutu na mutu, aya na liboke na yo. Est-ce que ça veut dire que, si je comprends bien, mutu oyo, liboke na yo, ils attendent sous manduki. Mais, azana masasite. Kona koko tsa na manduki wana. Monte ko manduki wana ko servir ne loko morote. Mais soki moninga mususu aye na liboke na ye. Liboke wana isa siko masasi. O monte ko bango mi bale deja ba réunir element moko oye ko permettre bisoto se défendre. To nandi le ki wana zo continue ko loba. Alobi o moni ndenge na comprendre lisusu li kamwango. Bino boza na manduki. Bino boza na masasi. Mesiko yo. Banan baro mema manduki wana na masasi wana. Moninga mususu, liboke na eta mususu, aza siko na batu. Ba soda. Ba to yo ba yedi ko manipule, manduki wana na ba na masasi wana. Mwente ko ba ngomisa to siko yo, soki ba sangani ba fandi esika moko, ba ko reunir ba kondisyon moko makasi poto rekupere mboka. Abaki si lisusu boye. Alobi ndeko mususu, boza wana, ba manduki ezali, masasi ezali, ba tupe ba zali, me pona ko kamba ba to wana, ifo balia, ifo bamela. Soki mbongo ezate, toko suka wae. Me mwominga msusu ako ya na liboke na ye, liboke wana iza siko, liboke ambongo. Tong bavandi bango tu isika moko. Omote ko bazo rompir ba kondisyon. Eske, ndenge bozo lo ba mtu na mtu ya na liboke na ye. C'est cela que ça veut dire. Na lobina leki wana, voilà mon jeune frère. C'est exactement ça. Mtu na mtu aya na liboke na ye, to vanda, tong epito réunir ba kondisyon oye ko permettre biso to récupérer ma belle na biso. Yango lwanande, la voix que utiliserait Papa Honoré Mbanda pour récupérer Makambu, pour peuple congolais à récupérer Makambu, Nakati, ya Mboka Congo. Matondo Papa Grégoire, je pense en savoir été assez clair. Matondo Papa Nabiso, Rolemena, vraiment, Motuna, Onatunakio, Nakanisi, Gaiwayo, Nazupeza, et Yanomoko, Ezali, vraiment, clair comme eau de roche, et puis Bandeko, Pébazali, Konabiso. Nazo rappelé bango que tous ali na quatrième émission d'abissou ya écho de la résistance, écho de la résistance émission ya babou l'école Congo où il est kaka chaque lundi de 20h à 23h sur 3FW télévision BDL. Tous ali en direct et que n'a pas quoi l'élo, nous ali na invité Oyo vraiment azali sur ko présenter te moto ya terrain moko ya bakambi ya Lingomba ya Alliance de Patriotes pour la refondation du Congo. Papa Nabiso Rolemena Oazali, représentant ya Apareko, région Europe. Kasi Papa Nabiso Roland Nadege, vraiment, ya kotuna omotuna ozalaki sous question na dynamique otalaki, otolebelaki ya dynamique Honoré Mbanda président. To outi kotuna yo accès na pouvoir au PCP et ya nomoko kitoko. Kasi to meka un peu kotuna motuna, Papa Honoré Mbanda azali ko kambali ngoma munene. Oye Bengami, Alliance des Patriotes pour la refondation du Congo, Apareko en sigle. Ebele Abandeko, ba mitunaka, ba tunaka mituna, ba tunaka même bakambi moussouya a Lingomba Oyo, est-ce que Apareko ezali parti politique ou ezali parti politique te? Wan ezali parti nanga ya mutuna liboso? Et que soki Apareko ezali parti politique to ezali parti politique te lelo dynamique Honoré Mbanda Zamboko Atumba président de la République est-ce que Lingomba o ebengami Apareko ekozala capable ya ko diriger sous continent otobengi République démocratique du Congo Zaïre ya Bangkok au commis ça bande colonie concernant moi, mon tour, là, vous allez là-bas, deux sous-questions. La question, Maloba. Oui, Papa Grégoire. Au moins, il y a mon tour, là, où il y a un direct. L'Apareko, en l'état actuel des choses, au moment où nous parlons, n'est pas un parti politique. C'est une plateforme qui invite tous les Congolais, quelle que soit leur tendance philosophique, religieuse, politique, à se mettre ensemble et à trouver les voies et moyens qui nous permettront d'arrêter la chute du Congo dans un trou sans fond. Voilà, au jour d'aujourd'hui.
Mais pour la papa Grégoire, nous avons eu le grand mot de sous ces ascoups. Nous avons posé un parti à Pareco et se muer en parti politique. Pour ça, nous avons eu un pour l'anime. Mais tout simplement parce que j'ai assisté à tellement de réunions de la Pareco, qui est un mouvement organisé, structuré, et qui a en son sein des Congolais d'une qualité si étonnante. Na monyango na ba réunion nyon surtout oyo nga na participa ezala na Italie, ezala na Allemagne, ezala na Belgique, ezala na France, ezala na Hollande, ezala na Suisse. Partout où je vais, et même quand je vois les vidéos, je vois notre compatriote, mon collègue, le président régional à Pareco, USA, le travail qu'il est en train d'abattre montre les qualités de cet homme. Et au sein de la Pareco, je vois qu'il y a tellement de femmes et d'hommes de qualité que je me dis, mais la Pareco a tout pour diriger ce pays. Moi, j'aimerais personnellement, Waleza Vinanga, Papa Grégoire, j'aimerais, puisque Tozo Solola, j'aimerais personnellement que la Pareco devienne un parti politique, que la Pareco prenne ses responsabilités, parce que j'estime que la Pareco a vocation, a légitimité, et doit maintenant avoir l'ambition très forte, au vu du travail qui a été abattu, au vu qu'aujourd'hui, sous l'impulsion de notre leader, le président Honoré Mbanda, que beaucoup de Congolais se sont levés, même s'ils n'ont pas rejoint la Pareco, mais ils ont compris l'état d'esprit qui animait la Pareco. Au vu de la dynamique Honoré Mbanda président, certains Congolais ont profité de cette période durant laquelle nous avons connu le tumulte, et c'est un euphémisme, pour s'équiper moralement, spirituellement, intellectuellement, philosophiquement. Et je suis sûr que ces Congolais ont acquis certaines valeurs, des valeurs certaines même, où il faut que lobby bangopé en Congo. Donc la relève, elle est là. Elle est en train de se former, elle est en train, elle vient. Et quand on regarde, je ne dirais pas qu'il est le seul, mais quand on regarde l'apport de Papa Honoré Mbanda, et d'autres personnes, bien entendu, quand on regarde ce que les patriotes combattants font sur le terrain, lorsque vous assistez à des réunions de combattants, et moi j'ai l'honneur d'assister à ces réunions-là, vous entendez les réflexions, vous entendez les analyses qui sont faites. Lorsque vous lisez, par exemple, pour un peu sortir de la Pareco, nos frères tels que Jean-Pierre Mbelou, lorsque vous lisez les analyses du docteur Fouelen Diagoutou, quoi, lorsque vous lisez l'histoire telle qu'elle nous est rapportée par notre frère Djamba Yowe. Mais vous voyez qu'au Congo, nous avons des hommes et de femmes et des femmes qui ont toutes les capacités pour pouvoir gérer ce pays. Alors moi, je dis oui, Papa Grégoire, pour la répondre directement, franchement et honnêtement et sincèrement, Makolobanao, que oui, la Pareco, je pense que la Pareco est prêt, la Pareco a les capacités, mais bon, nous devons continuer à travailler, les hommes continuent à travailler, nous sommes à bonne école, nous avons un leader expérimenté, d'une expérience vraiment notoire, qui connaît beaucoup de choses sur le passé, sur le présent, qui a une vision, un idéal, qui est en train de nous, j'aime bien ce terme, de nous contaminer, parce que c'est un véritable battant, mais nous devons continuer à travailler, nous sommes vraiment à très bonne école. Oui, Papa Grégoire, la Pareco a les hommes et les femmes capables de diriger ce pays. Foi de patriote. Ah, Saint-Essana, Papa Nadisso, Rolemena. Nakanissi, vraiment, Walezalaki, et à nos pesa qui toko, Oyo pesa au pessimiso, concernant Moutouna ou Nanatunio, Moutouna ou Zali pesa kouta, Namitema, peuple congolais, Oyo ebele ba mitunaka, est-ce que a Pareco, Oyo ebele ba Pareco, Apareko oyo lelo ezali témoignage personnel yanga moko na baninga mosusu tokena na bango na l'une des vieilles universités ya mboka ya Grande-Bretagne ou babengi University of the St. Andrews et si katokutani na ba professeur d'université oyo ba reconnaître mais sur le cœur que voilà l'unique force d'opposition contre régime en place Ezali Apareko et le Konaza Koloba, Ezali propagande, Ezali témoignage personnel, Bandeko Moussou sur le Kola Banzoko Dima Dimba, Bandeko Lokola,
Oya biso Maurice Ngugu, le vrai combattant, bazalaki ba témoin tout la kina kati ya université ya Saint Andrews, université ya Munene Esika à Prince William, donc à Tanaki, ezali pesana nord est ya Grande-Bretagne. Témoignage ya ba professeur d'université ya vraiment université oyo ba témoigner que l'unique force oyo lelo ezali vraiment qu'aux gens diaspora en branle, ezali apareko, maloba ba professeur wana ce sont pas des Congolais, bazali ba britannique, ezali kolak sa ete, papa role mena, ozali a kote te, la mitouna ya yanonayo, et yanonayo ezali kitoko apareko, azali capable ya diriger Congo. Kasi papa nanda role mena, na kosenga pour le moment que motoyambo ilopoka, oyo peza na boke na kawa folo lopo na mosala kitoko, il y a confesse un peuple congolais plateforme oyo na kosenga e ameka ko fonga la sikoyo mwanzela parce que na yebi que bande comme soubaza ko s'impatienté et belle bazali ko bituna pourquoi lelo nyoka abwa ki bako pembeni bazali ko benga bazako kota te na sengine na moto yambo o fongola ndenzela biso abasini bande ko bakota ensemble tokende na papa la biso roleme na pokwa lelo malembe malembe tina suka ya emission na biso. Donc, il y a dit très bien que cadre en abisso, il y a écho de la résistance, et Zalaka, un cadre vraiment respectueux, ce qui au quotidien pour Tuna Motuna, et Zali toujours, na cadre, il y a respect mutuel, Tozali, peuple bantou, peuple, il y a respect, Toboi, Pesako Fingana, Okota Awa, Otuna Motuna, Nayo, Toko Peso Maloba, Okotuna Motuna, Mopa en abisso, parole mena, Akozala, capable, il y a Kofi Sabino et il y a nos sans problème. Alors, moto yambo, vraiment, na sabio signe, mais kande au fond, la biso, nzela, bandeko, au basali, kwa la biso, en direct, bakota, te beta bango ma solo, c'est vrai, na début, na bandaki, na mopa yana biso, concernant likambo, oyo ya élection, oyo utiko leka, na mboka la biso, to tire ba conséquence, to sali, mon analyse approfondie, bien que Ngonga et Zali Pesa et Belete, mais très bien que Zali Batem et Kafu Kafu, Tobega qui que n'a pas quoi l'élo, et ce salaire qui moi très bon moulaï, sans que le peuple congolais a mega qu'on s'abreuve, donc la source surtout malobezo de la Monoko, il y a Motoloko là, papa la biso, role mena, Ozali, homme politique à Mounine, na Kata Ngomba, il y a Alliance des Patriotes pour la refondation du Congo, Tolobeli P, problème. Oyo, il y a dynamique, Honoré Nbanda président, Olé Botami, bien que les Aliko s'est buté quelque part, na moi petit obstacle, et pas y'a papa Nabisso Honoré Nbanda et Moko Alingi Angote, kasi lelo, ba Congolais, ba komi ebele, ou ba komi koebisae, que compte tenu, y'a Mosala ou Sali, compte tenu, y'a ba capacité na yo, capacité spirituelle, capacité intellectuelle, sur base.